Dans la rubrique précédente, intitulée « Convertir un fichier texte en MP3 », vous avez appris à convertir un fichier texte quelconque en un fichier MP3 avec l'application Freeware Panneau Prêteur Basique. Le fichier généré présente un petit problème. Il est précédé par un message publicitaire. Je vais vous montrer comment supprimer ce message en utilisant un autre freeware appelé MP3 Direct Cut. Ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur la page http://mp3directcut.en.softonic.com et cliquez sur le bouton Free Download, puis à nouveau sur le bouton Free Download. Dans la boîte de dialogue, affichez les téléchargements. Cliquez sur Enregistrer. Rendez-vous dans le dossier Téléchargement en cliquant sur le lien Téléchargement. Cliquez du bouton droit sur le fichier Softonic Downloader for MP3 DirectCut.exe et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu. Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur son icône pour le lancer. Glissez, déposez le fichier MP3 à découper sur la fenêtre de l'application. En utilisant l'icône de lecture, repérez l'emplacement avant lequel le fichier audio doit être coupé. www.panopreter.com. Sélectionnez cette portion du son, puis appuyez sur la touche Supr du clavier. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer le nouveau fichier audio avec la commande Enregistrer tout dans le menu Fichier.